Environ 100 000 véhicules passent chaque jour au milieu du chantier du rondeau et zigzagent sur les flux de circulation régulièrement modifiés. Mais pas de panique, le fameux plat de nouilles de la métropole grenobloise devrait d'ici quelques mois être digéré et oublié au terme d'un chantier de près de 104 millions et demi d'euros. C'est le général Lionel Cattard, commandant de la 27e BIM, qui dirigera la brigade olympique chargée de la sécurité des Jeux Olympiques de Paris dans un mois. 5 à 6 000 femmes et hommes de l'armée de terre qui se relaieront tout l'été pour sécuriser les sites olympiques et touristiques. Et puis l'été propice à donner des rendez-vous, le festival du film court en plein air de Grenoble dont on parlait hier dans le JT, mais aussi bien d'autres, des plus confidentiels aux plus connus, il se lance cette semaine. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 26 juin 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le ciel est-il en train de nous tomber sur la tête? L'Isère, de nouveau frappée par de fortes pluies et des orages mardi soir, cette fois du côté de Morette, près de Saint-Marcellin, mais aussi Tulin, Lalbenque et Crasse. Certains habitants se sont retrouvés avec 50 à 60 cm d'eau au rez-de-chaussée, mais la solidarité a joué pour aider les voisins et déblayer avec raclette et balai. Les deux voies SNCF entre Moiran et Saint-Marcellin ont également été touchées par des arbres et des coulées de boue. Et puis dans le Grésivaudan, des zones vers Crolles et Villarbonneau ont également subi les intempéries. Et puis la situation reste fragile dans la vallée du Vénéon après les inondations entre jeudi et vendredi dernier. Les éboulements qui ont emporté une partie de la départementale dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc une piste de secours est progressivement mise en place par les services du département. La préfecture de l'Isère qui a pris un arrêté d'interdiction de circulation sur la RD 530 à partir du Clapier d'Oris à la jonction avec la RD 1091, annonce qu'elle a mis en place des créneaux horaires pour permettre aux habitants de Venosque d'aller jusqu'à leur domicile accompagnés de la gendarmerie. En raison des travaux en cours et des risques d'éboulement encore présents, un important dispositif de contrôle a été mis en place pour interdire l'accès au périmètre à toute personne qui n'y serait pas autorisée. Un autre chantier est prévu de longue date celui-ci, celui du rondeau entre Grenoble et Échirolles. C'est la suite du projet de réaménagement de la 480. L'objectif de cette tranchée et de ces bretelles, c'est de mettre fin aux embouteillages vers la rocade sud. Les travaux débutés en avril 2021 devraient durer encore un peu moins d'un an. Jérémy Pinard. À l'instar d'une route de montagne, sur la rocade sud, les lacets se multiplient. Depuis 3 ans, 100 000 usagers quotidiens ont vu leur itinéraire se déformer un petit peu plus chaque mois. Et si à la surface tout bouge, en dessous, le chantier s'active. En complément de l'élargissement de l'A480, les travaux de l'échangeur du Rondeau avancent en souterrain. Nous sommes passés de 2 à 3 voies. Sur la 480, et donc l'objectif de l'opération de réaménagement du rondeau, c'est vraiment de venir fluidifier les circulations sur la zone. Alors pour fluidifier les circulations sur la zone, on vient réaliser une tranchée couverte de 295 mètres. Mélangé avant sur la rocade sud, les trois flux pouvaient être à l'origine de nombreux embouteillages en heure de pointe. Cette tranchée couverte permettra alors la séparation de ces derniers à l'approche de l'échangeur du rondeau depuis Saint-Martin-d'Air. Donc là, on est sur le radier actuellement qui vient d'être réalisé. Donc il restera à mettre les couches de chaussée sur ce radier. De part et d'autre, on a donc les parois moulées, les porteurs qui ont été réalisés. Donc actuellement, on est encore avec des ouvertures au niveau de la paroi centrale qui permettent une meilleure réalisation des travaux de manière plus optimisée en termes de phasage. Mais à terme, ce sera comblé pour qu'il n'y ait aucune communication entre le tube nord et le tube sud de cette tranchée couverte, notamment vis-à-vis des risques incendies. Un chantier conséquent pour un coût total de 104 millions d'euros financé par les collectivités. 47 000 mètres cubes de terre sortie, un sol poreux juxtaposé à une nappe phréatique. Les enjeux techniques sont nombreux, dont celui du maintien de la circulation. Grosse difficulté de ce chantier, c'est que c'est un chantier en site urbain, avec donc le trafic de la rocade sud qui est estimé à 100 000 véhicules jour à maintenir en journée.
Il n'est pas imaginable de couper le trafic en journée sur cette rocade. Donc ça a été une succession de phases provisoires, de circulation provisoire, pour nous permettre de libérer les zones travaux progressivement et de pouvoir travailler selon un certain phasage qui permettait de maintenir la circulation. Après la phase de terrassement, le bétonnage est en cours. S'en suivra la phase d'équipement pour finalement mettre en service cette nouvelle portion de rocade à partir d'avril 2025. Une fois l'ouvrage terminé, le plateau sur cette tranchée couverte accueillera une circulation apaisée, avec la volonté de couper la discontinuité existante entre Grenoble et Échirolles. Le coût de ce réaménagement est financé par les collectivités, bien sûr, mais aussi pour près de la moitié par l'État. En 14 ans d'exercice parlementaire, je n'ai jamais vécu ça. La réaction de Marie-Noëlle Battistel, qui se représente dans la 4e circonscription de l'Isère, après la découverte d'un tag sur les vitres de son local de campagne assassiné par Aizé. Il était écrit NFP pro Hamas. La députée socialiste a porté plainte ce mercredi matin à la gendarmerie. Elle s'inquiète d'une campagne malsaine et en appelle à la responsabilité de chacun. De Vars à Paris, c'est dans un mois que sera donné le coup d'envoi des Jeux Olympiques en France. Mais c'est vendredi que le général Lionel Cattard, qui dirige actuellement la 27e brigade d'infanterie de montagne, prendra officiellement la tête de la brigade olympique. 5 à 6 000 soldats pour 4 groupements tactiques et un 5e plus spécifiquement dédié à la cérémonie d'ouverture. L'opération sur les Jeux Olympiques, c'est avant tout une adaptation de la force Sentinelle. Moi, je pars avec le noyau clé du 7e bataillon de chasseurs alpins, le 4e chasseur, le 2e régiment étranger du génie de Saint-Christol, qui va armer un bataillon de génie spécialisé, dans lequel on trouvera des moyens fluviaux, on trouvera des moyens de cynotechnique, bien sûr des équipes de démineurs. Pourquoi la 27 ? Brigade de montagne, voilà. En fait, il y a un cycle dans les forces terrestres et de longue date, à l'été 24, c'était la 27e brigade d'infanterie de montagne qui était en charge des missions sur le territoire national. Ça tombe bien parce que c'est un peu dans l'ADN de la brigade. On va finalement fêter notre centenaire olympique avec les JO. Entre, si vous regardez les images des premiers Jeux d'hiver à Chamonix, c'est un chasseur alpin qui porte le drapeau de la délégation. 68 Grenoble, 92 Albertville, à chaque fois la 27 a été impliquée. Et puis on a aussi pas mal de sportifs de haut niveau hein, que l'on suit. L'adjudant Nicolas-Marie Daru qui vient de faire champion de France du cross-country. Et puis on a un de nos blessés de guerre en Afghanistan, Jean-Louis Michaud, qui sera aux Jeux paralympiques en tir avec de belles chances de médailles. Finalement, c'est bien que ce soit la 27 qui va également sécuriser les Jeux, sécuriser les athlètes et faire en sorte que ce moment soit un moment de convivialité, d'audace, de fierté, d'esprit de compétition et d'engagement, bon, qui sont autant de valeurs que l'on partage. Des missions plus larges aussi que dans la zone sentinelle habituelle, puisque des quads et des drones pourront par exemple être déployés dans la forêt de Versailles. Le FCG version 2024-2025 prend forme après les défaites en finale et access match. Le club de Pro D2 s'est remis au boulot et annonce que 17 personnes s'engagent ou se réengagent pour la prochaine saison à Grenoble. Vous en voyez ici quelques-unes. Parmi elles, Victor Guillaumont, des jeunes comme Léo Boulier, le talonneur de Biarritz, Bastien Souris, le Sud-Africain Cody Thomas et du côté du staff, Nicolas Nadeau, Romain Guérin ou Victor Macaire. D'autres annonces suivront dans les prochains jours. Grenoble-Alpes Métropole poursuit son cycle « Le féminisme fait le printemps » avec jeudi soir la présence de Rose Lamy. Militante et autrice, elle est connue pour son compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre » dans lequel elle compile depuis 2019 les phrases sexistes entendues et lues dans la presse. Elle est aujourd'hui suivie par 250 000 abonnés. La conférence « Défaire les discours sexistes » débutera à 18h30 au siège de la métro, place André Malraux, en préambule un atelier BD féministe à 16h. Dans l'agenda également des festivals. L'Esprit Nomade célèbre sa 3e édition à partir de jeudi et jusqu'au 6 juillet au Minimistan à Grenoble. De 16h à minuit, dans la cour du couvent, rue des Minimes, des concours de pétanque, marché de créateurs, ateliers d'écriture, puis soirée artistique et musicale, les feuillages burlesques, concerts, classiques, fanfares, DJ set et bals populaires, mais aussi des projections de courts-métrages.
Et plus original, le festival La Mort Vivante, pendant 3 jours à la Bifurque, toujours à Grenoble, avec notamment pour la première la projection d'un documentaire Fragments du Paradis, en présence de son réalisateur Stéphane Goël, qui est allé à la rencontre du peuple suisse pour leur demander que reste-t-il aujourd'hui du paradis, avec aussi des expositions, projections, spectacles, ateliers, concerts, installations, podcasts, pour s'emparer de ce sujet bien vivant qui nous concernera tous un jour. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec Ibrahim Malouf qui ouvrira le bal du 47e Festival Jazz à Vienne jeudi soir. C'est complet, mais rassurez-vous, le trompettiste vient régulièrement en Isère. Excellente soirée à tous.